les filles, alors voilà une petite vidéo aujourd'hui pour répondre au tag de Coccinelle Rebelle. Donc le tag s'appelle le tag du vendredi 13. Le but c'est de raconter des gaffes qu'on a faites, donc plus ou moins graves. Hein. Donc voilà, donc je commence. Alors, quand j'étais petite, on allait faire les courses avec ma mère. Et moi, je sais pas ce que je faisais, je parlais ou je faisais n'importe quoi. Et tout d'un coup, boum, je me suis pris un poteau. Donc il y avait un poteau au milieu de l'allée. Et bien sûr, bah, je me le suis pris. J'avais une énorme bosse. Ma mère était morte de rire. Et moi, bah, ça m'a pas fait rire. Donc, une petite gaffe quand même. Ensuite, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin l'hiver dernier, il y avait une énorme plaque de verglas sur un trottoir. Et moi, je l'ai pas vue. Donc bien sûr, je marche dessus. Et boum, je tombe les fesses les premières par terre. La première chose que j'ai fait, c'est que je me suis relevée et j'ai tout de suite regardé s'il y avait des gens qui m'ont vue. C'est seulement après que je me suis rendu compte que je me suis fait mal au doigt. Mais ma préoccupation principale, c'était de savoir s'ils m'avaient vue. Donc voilà, le verglas, c'est un de mes ennemis. Ensuite. Quand j'étais petite, bon c'est pas vraiment une gaffe, hein, c'est un truc, une anecdote. Donc quand j'étais petite, je me mettais devant la télé. Et je sais pas si vous voyez les casques pour sécher les cheveux, là, les gros trucs là. Et ben moi je prenais la barre qui tenait le casque et j'utilisais ça comme un micro. Donc j'étais devant la télé, je chantais. L'émission c'était... L'école des fans, donc je sais pas, je pense que vous connaissez. Et donc moi j'étais à fond dedans, je chantais ma chanson devant mon micro. Et donc voilà, c'était marrant. Sinon, quand j'étais petite, toujours, il y avait un champ avec plein de trèfles. Et donc moi je voulais faire mon intéressante, j'ai dit ouais je vais trouver la première, un trèfle à quatre feuilles. Et du coup, bah je cherche, et moi je faisais un peu... celle qui trouvera en première, donc la supérieure quoi. Et je regarde pas ce que je fais et d'un coup, aïe, ça m'a piqué. Je mets mon doigt comme ça et j'avais une abeille qui était piquée dans mon doigt. J'ai secoué mon doigt, je me suis mis à hurler, je suis partie en courant et là j'avais pas l'air très maligne, donc du coup c'était un peu la honte. Sinon, il y a pas si longtemps que ça non plus, j'avais mis la crème dépilatoire sur les jambes. Donc du coup, bah voilà, il faut attendre avant que ça agisse. Et donc je me suis dit, bon, je vais regarder la télé pendant ce temps. Et donc, je m'assois sur le canapé. Et mon chat, je sais pas pourquoi, mais il a voulu se caresser à mes jambes. Et donc du coup, bah bien sûr, sur tout le côté de son ventre, il a eu de la crème. Donc je vous laisse imaginer le truc, un chat, de la crème pour épiler. Voilà, et donc du coup, j'étais toute seule chez moi, donc j'ai un peu paniqué. Et ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû doucher mon chat. Donc ça n'a pas été facile parce que bon, elle n'est pas du genre à se laisser faire. Mais bon, j'ai réussi, elle n'a pas perdu ses poils, bien heureusement. Et donc, elle va bien. Sinon, encore quand j'étais petite, donc j'ai fait pas mal de trucs étant petite, vous voyez. On était dans la voiture et moi j'avais une peluche, une girafe, et donc j'ai ouvert la fenêtre et j'ai mis la tête de ma girafe par la fenêtre. Donc ma mère m'a engueulée et je fais mais non, c'est pour lui faire prendre l'air. Et d'un coup la girafe pouf par la fenêtre sur une autoroute. Et moi bien sûr, bah, j'étais petite donc j'ai pas compris, hein, j'étais un peu en train de pleurer. Ma mère est sortie de la voiture sur une grande route quoi, et elle allait récupérer ma peluche. Et quand je l'ai récupérée, il y avait un camion qui était passé dessus, du coup bah elle avait plus d'œil. Donc voilà, mais j'ai récupéré ma peluche. Ensuite, encore quand j'étais petite, à la maternelle plus précisément, on était assis. Donc on avait des petites tables là, avec des nappes en toile cirée là.
Et moi, je me suis amusée à faire des franges dans la nappe. Et du coup, bah, il y avait un camarade de classe qui a dit: Ah, c'est trop cool et tout, tu peux faire ça dans mon pantalon. Et donc, moi, je vais découper son short. Donc, tout autour, j'ai fait des franges. Donc, il avait un super beau pantalon à la fin. J'étais une styliste dans l'âme, hein. Et voilà. Sa mère était pas très contente à la fin, mais bon. Hein, voilà. Sinon, une fois, j'ai déjà découpé mon caleçon à moi. Donc, il y avait des fleurs. Et je me suis amusée à découper les fleurs. Très intelligent, n'est-ce pas? Et voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? Y a pas longtemps, enfin si, ça fait quand même pas mal de, enfin peut-être 5 ans, je faisais beaucoup de vélo. Et en fait, on est allé à un endroit, un genre de skatepark avec des grandes pentes. Et je suis montée en haut avec le vélo. Et donc, bien sûr, fallait redescendre. Et mon vélo n'était pas un vélo tout terrain, on va dire. Et du coup, bah, j'ai descendu la pente. La roue arrière s'est levée. Donc le vélo s'est retourné. Et je suis tombée. Alors, c'était pas joli à voir. Hein. Donc j'avais un trou dans la tête. Une entorse. Les genoux complètement amochés. D'ailleurs, j'ai déchiré mon pantalon préféré. Et bien sûr, ma mère ne savait pas où j'étais. Donc j'ai dû rentrer chez moi en vélo. Hein. Et seulement après, je suis allée à l'hôpital. Donc, je recommencerai pas. Sinon, j'ai déjà fait un truc complètement stupide. Mais c'est la gaffe que je ferai plus jamais de ma vie. Et que je ne vous conseille pas de faire, pardon. J'ai traversé une autoroute. Je sais, c'est complètement débile, c'est dangereux, mais je l'ai fait. C'était une autoroute, donc 4 voies, hein. Et moi, j'ai traversé ça parce qu'une copine avait traversé. Donc voilà. J'étais conne à l'époque, quand même. Donc voilà. Désolée, c'était ma soeur. Donc j'ai fait à peu près le tour. Hein. Je vous passe les petits trucs. J'ai fait les plus grands trucs dont je me suis rappelée. Et ouais, je crois que c'est à peu près ça. Hein. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce tag. Je vous mets le lien de la chaîne de Coccinelle Rebelle. Allez-y, commentez ces vidéos. Et voilà. Bisous!